Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous continuons ce que nous avons commencé. Mes frères et sœurs, vraiment c'est grave ce qui se passe dans ce monde. Ce témoignage que nous allons entendre ici, vraiment, ça fait pitié. La pauvreté, c'est décidément quelque chose qui n'est pas une bonne affaire. Ça pousse beaucoup de personnes à enfreindre à la loi divine, à la loi de Dieu. Écoutez, il est parti à la recherche de l'argent du diable. Et que s'est-il passé? Écoutons son histoire. Je vais vous relater une histoire. L'histoire d'un ami, proche à moi, que j'ai perdu depuis l'année 2018. Il faut dire que vraiment ça a fait mal. Mais je préfère taire le nom de ce dernier parce qu'il n'est plus sur moi. Il faut dire que c'était un ami. Nous sommes rencontrés dans un tournoi. Dans un tournoi de football. C'était un jeune vraiment qui était très intelligent et beaucoup de talent, qui jouait très bien au foot et qui était très intelligent à l'école. Donc ce jeune-là, un soir, il est venu me voir et dit, Daniel, vraiment, moi, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, cette vie de pauvreté, là, moi, ça m'arrange. Puis je pense que je vais entamer ce qu'on appelle le broutage. Moi, je lui ai dit, Joe, au lieu de rentrer dans le broutage, là, tu sais, en faisant ça, tu vas, le broutage, ça va te pousser à poser certains actes aujourd'hui. Tu vas les regretter plus tard parce que il y a des brouteurs aujourd'hui qui vont vendre les amodia pour avoir de l'argent. Il y a des brouteurs aujourd'hui qui vont vendre l'âme de leur maman, qui vont vendre l'âme de leur papa pour avoir de l'argent. Si quand tu rentres, quand tu dis de donner l'âme de ton papa ou de donner l'âme de ta maman, est-ce que tu vas accepter? Ce jeune homme me dit non, ils ne vont jamais me demander cela. Tu comprends? Moi, je vais cousir le blanc, je vais aller voir mes fétichés, mes marabouts à côté, faire mes sacrifices de poulet, de cabri, de mouton, voilà, pour avoir mon argent. Je pense que je vais me limiter à là. Donc, moi, je lui ai dit, frère, moi, je ne te conseille pas cela. Je ne te conseille pas cela parce que, en faisant cela, si tu as eu 400 000 aujourd'hui, tu vas vouloir avoir 800 000. Et tu as eu 800 000, tu vas vouloir avoir 1 million. 1 million, tu vas vouloir avoir 2 millions, 2 millions, 3 millions. Et je pense que c'est comme ça va monter et ça va te pousser vraiment à faire de vilaines choses. Mais mon ami ne m'a pas écouté. Moi, il faut que je raconte cela pour permettre vraiment à mes frères et soeurs de prendre conscience. Prendre conscience. Mais à chaque fois quand je m'assois et je pense à cela, quand je raconte cela à quelqu'un, j'ai mal. Et le cœur qui brûle parce que c'est un jeune vraiment que j'ai vraiment aimé. Et un soir, j'étais là, il m'a appelé, il m'a dit, Daniel, j'ai commencé le broutage. Le marabout m'a dit de donner la somme de 300 000 francs CFA. J'ai donné la somme de 300 000 francs CFA. Il a acheté le nécessaire, il a fait le sacrifice. Et j'ai causé le blanc. Le blanc m'a envoyé 1 million. Il dit, ah bon, il t'a envoyé 1 million. Il dit, mais Joe, comme il t'a envoyé les 1 million là, prends les 1 million, tu vas réaliser, tu peux monter un projet avec, tu vois, pour te lancer quoi, pour quitter dans ça. Il dit, non, que lui ne peut pas faire ça. Lui, de toute façon, il a eu 1 million. Il sait que s'il continue pas à avoir 2 millions, s'il continue pas à avoir 3 millions, 4 millions, ainsi de suite. Mais pour le moment, d'abord, il n'a pas, pas la pensée de quelqu'un qui veut entreprendre. D'abord, pour le moment, il veut faire la vie. Comme on le dit dans notre jargon, il veut manger la vie, il veut faire la vie de Luca. Et je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est ton argent, je ne peux pas. Donc, il est venu à la maison, il me voit, il me dit, ah, Daniel, bon, comme tu es un ami, vraiment, tiens. Et il m'a donné une somme dont je vais taire le nom. Qui m'a donné cette somme, bon, je l'ai pris en tant qu'un bon ami. C'est quand il a dit, mais Joe, vraiment, c'est vrai que tu m'as donné cette somme, mais moi, je te conseille de quitter vraiment dans ce domaine-là. Prends le peu que tu as pour te réaliser, je pense que c'est mieux. Et il dit non, que non, lui, ça ne l'arrange pas. Donc, un soir, j'étais couché, 22h du matin, il m'appelle, il me dit, Daniel, demain, je vais me rendre à Korogo. Korogo, c'est une ville qui est au nord de la Côte d'Ivoire. Il dit, tu vas te rendre à Korogo pour faire quoi? Il dit non, lui, va se rendre à Korogo pour aller, comme on le dit, pour aller voir un féticheur là, qui vient de croiser tout à l'heure sur les réseaux sociaux là. Ils ont échangé. Donc, le féticheur lui a donné vraiment son la ville où se trouve, tout ça, le quartier où le don, il va aller voir le féticheur pour lui parler de ça. Et donc, il lui sent que le féticheur est fort, le féticheur va beaucoup l'aider. Donc, arrivé là, le féticheur lui dit, mais attends, tu veux faire le broutage? Il dit, vu qu'il veut faire le broutage, il va avoir de l'argent, il veut qu'on parle de lui. Donc, le féticheur lui a dit, ok, comme tu veux qu'on parle de toi, ce qu'on va faire, il y a deux options. Soit, tu vas sacrifier ta maman, ou soit, tu vas te sacrifier toi-même. Donc le féticheur lui dit, bon, quand c'est comme ça, je te donne 3 jours pour réfléchir. Pendant les 3 jours, le premier jour, il m'a appelé, il m'a dit, ah, il m'a relaté un peu ce que le féticheur lui a dit. Il a dit, Joe, je peux te parler de quelque chose, il m'a dit.
Il dit, ne mets pas ton pied dans ça. Il dit, ne mets pas ton pied dans ça. Il retourne rapidement chez Boaké. Il me dit, non. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. S'il n'a pas fait l'un, il va faire l'autre. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Je te demande pardon, ne fais pas ça. Il m'a dit, non, de laisser. Donc, il a raccroché et il m'a bloqué. Ça fait que quand je l'appelais, ça ne passait pas. Donc, ce dernier, il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé causer le marabout. Il a dit au marabout que bon, lui, il est prêt à se sacrifier lui-même. Il dit qu'il est prêt à se sacrifier lui-même. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont acheté, comme on le dit, ils ont acheté un poulet, une poule noire. Une poule noire. La poule, ils ont fait 3 jours. 3 jours. Ils n'ont pas donné manger à la poule. La poule était devenue faible. Et le marabout, le féticheur est rentré dans sa maison, il a fait sortir ce qu'on appelle des grains de maïs. Puisque c'est dans le nord là-bas, voilà, les travaux champêtres sont vraiment beaucoup à pratiquer là-bas. Donc il est rentré dans sa chambre, il a pris quelques grains de maïs et il a dit, jeune homme, regarde, je vais jeter les grains de maïs. Le nombre de grains que le poulet va avaler, c'est le nombre de vies que tu feras sur la terre. Il a pris le maïs, il l'a agité. Quand il l'a agité, le poulet a avalé 16 grains de maïs. Quand le poulet a avalé les 16 grains de maïs, il a dit automatiquement que mon frère, tu feras 16 ans de vie sur terre. 16 ans de vie sur cette terre des hommes. Tu as 16 ans de vie à faire. Donc il était content, il se disait quoi, 16 ans, c'est beaucoup. Mais disons, moi je sais que pour tous ceux qui me suivent actuellement, si tout à l'heure on vient te dire que non, toi, tu feras 16 ans de vie si c'était. Je pense que si 100%, les 100 personnes vont pleurer parce que 16 ans c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Donc, le marabout lui a dit qu'on fera un dernier sacrifice et tu verras comment est-ce que ta mort va venir. Donc, il a demandé au jeune d'aller acheter un cabri noir. Le jeune est allé acheter un cabri noir, tout noir, sans tache. Et il a demandé au jeune de mettre la main gauche sur le dos du cabri. Le jeune a mis sa main gauche sur le dos du cabri et le féticheur lui a mis sa main gauche la tête de Gabriel et le féticheur a comme ça récité des incantations, là, comme ça récité des incantations. Tout à coup, c'est comme si le Gabriel, c'est comme s'il y a un esprit qui a pris possession dans le Gabriel. Et le Gabriel a couru aller têter le mur une fois, a couru aller têter le mur deux fois. Et lorsqu'il a têté le mur troisième fois, la tête du Gabriel s'est fondue en deux. Et le Gabriel est mort. Et c'est là le féticheur lui a dit, tu vois, la manière dont le Gabriel a rendu l'âme, c'est comme ça tu mourras. Et il est revenu sur Boaké. Disons, quand il est venu, on a fait pratiquement. Parce qu'il était parti dans le mois de juin. Disons, juin, il est revenu, disons, dans le mois de décembre. C'est dans le mois de décembre que nous sommes croisés. Et dans le mois de décembre, quand je l'ai vu, il était avec une voiture. Oh, père, je vous dis, une voiture de luxe. Il me dit, Daniel, tu vois, voici le résultat de mon travail. Je t'ai dit de venir, on va aller. Tu dis, non, tu as refusé aujourd'hui, voici le résultat de mon travail. Et je lui ai dit, Dieu, tu es mon ami intime. Moi, j'ai voulu tirer sa bouche pour voir, pour lui demander à Dieu comment tu as fait. Lui faisant croire que je vais faire aussi. Il m'a expliqué tout. Il m'a dit que non. Il est allé là, il a accepté de vendre son âme. Il a acheté une poule noire, la poule a avalé 16 grains de maïs. Comme ça, ils ont acheté un cabri, ils ont fait des incantations. Voici la manière dont le cabri a rendu l'âme. Et c'est comme ça, lui va mourir. Et quand il m'a dit ça, moi, j'ai eu peur. J'ai commencé à couler. Il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et il m'a dit, Dieu, la vie. Il y a deux choix. Dans la vie, il y a deux choix. C'est la pauvreté ou c'est la richesse. La mort, c'est d'après lui, on a dit que okay, la mort est un gain. La mort, c'est le passage de tout le monde. Tout le monde va passer par la mort. Donc lui, il a accepté. Il ne peut pas mourir dans la pauvreté. Donc il a accepté de faire ses 16 ans de vie sur la terre. Vivre une vie luxueuse, une vie de joie, en tout cas, une vie de boss. Donc il a fait, il a vécu. Mais laisse-moi dire que c'est mal connaître le diable. Disons, il a fait la cinquième année, il s'est rendu à Abidjan, il était parti d'après lui aller chercher des partenariats avec des amis brouteurs qu'il allait voir à Abidjan. Donc à son retour, il a vraiment fait un accident. Et l'accident qu'il a fait, la tête du gars s'est fendue en deux. La tête du gars s'est fendue en deux. C'est là qu'il est mort. Ok, il est mort. Ils sont allés, ils ont consulté son compte en banque. Ils ont constaté qu'il n'y avait rien. On prend son téléphone,
On voit s'accoudoyer avec le marabout. On lance l'appel du marabout. Le marabout appelle et le marabout commence à menacer. Qui sait ce qu'il a voulu faire et c'est ce qui est arrivé. Je tenais vraiment à dire à tous mes frères, les jeunes, que ce soit d'ici ou ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent actuellement. Toi, tu veux pratiquer le broutage. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le chemin à suivre. Tu peux te débrouiller, avoir un peu, un petit fonds à lancer ton commerce. Parce que tu rentres dans le broutage, tu vas croiser des amis qui vont te pousser à faire des vilaines choses. L'homme n'est jamais satisfait avec de l'argent. Même moi-même qui suis là aujourd'hui, si tu me donnes 500 000 aujourd'hui, si tu vas pour chez moi, je vais te demander 1 million. Donc vraiment, je demande vraiment pardon à tous mes frères qui nous suivent actuellement, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que tu sois même à la métropole, pour tous ceux qui nous suivent actuellement, je vous demande vraiment pardon. Pardon. N'enviez pas les brouteurs. Ne cherchez pas à devenir des brouteurs. Mais plutôt chercher à devenir des jeunes qui entreprennent. Pratiquez plus l'entrepreneuriat. Je pense que ça va plus vous élever. Mais rentrer dans le broutage, je pense que vraiment, ça ne va pas vous arranger. Parce que aujourd'hui, tu commences avec le sacrifice de poulet. Tu commences aujourd'hui avec le sacrifice de mouton. Mais tu vas gravir des échelons. Tu as eu 500 000 aujourd'hui avec le sacrifice de mouton. Demain, tu vas donner un peu, tu vas avoir 10 millions. Tu vas vouloir avoir plus. Ils vont te demander maintenant, c'est bon. Ils vont te demander maintenant le sang d'un être humain. Pour l'amour d'argent, tu vas le faire. Pour l'amour d'argent, tu vas le faire. Tu risques de sacrifier ta maman, ton père, ou même tes petits frères, ou même sacrifier tes enfants. Vraiment, l'histoire-là, vraiment, ça m'a vraiment touché. C'est mon jeune frère, j'ai vraiment mal. Mais je vous demande vraiment pardon à tous mes frères de ne pas pratiquer vraiment le broutage. Waouh, vous avez entendu ça? La vie, hein. On ne pactise pas avec le diable. Nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Cette histoire s'est passée, ça fait des années, quand j'étais très jeune, quand j'étais, disons, nourrissant. Quand j'étais nourrissant. Cette histoire m'a été racontée par mon père. Donc, c'est ça. Quand j'étais nourrissant, on habitait dans une parcelle qu'on appelle communément cour commune. Donc, mon père louait avec ma mère dans une parcelle. Et la propriétaire de cette parcelle, c'était une dame. C'était une vieille dame. Donc, une maman et tout. Cette dame-là était gentille, très gentille avec les locataires et tout. Mais il y avait un phénomène qui se passait dans cette parcelle-là. Tous les enfants qui vivaient dans cette parcelle-là, dès qu'il était 23 heures, tous les enfants se mettaient à pleurer toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc c'était pareil pour moi. Donc la journée, j'étais calme comme enfant. En général, moi, j'étais une enfant assez calme. Je pleurais quand il fallait pleurer pour les choses importantes. Comme manger ou quand j'avais besoin d'être changée et tout. Mais dans cette parcelle-là, dès qu'il était 23 heures, je me mettais à pleurer. Donc, pleurer. Mes parents ne dormaient pas. Je pleurais toute la nuit. Et ça s'arrêtait juste à 5 heures du matin, 6 heures. Et à un moment donné, mon père était... Ça commençait à le fatiguer. Il était énervé de la situation. Il a d'abord demandé à ma mère, OK, essaie d'aller dormir d'abord avec l'enfant ailleurs. Donc, ma mère est partie 2 jours chez une de ses amies. Et ces 2 jours passés, là, elle s'est rendue compte que j'avais dormi paisiblement toute la nuit, vraiment. J'avais dormi tranquillement. Mais quand ils reviennent à la maison, la même routine reprenait. Donc, mon père, face à cette situation, il avait décidé d'aller en parler à son oncle. Donc, il va voir son oncle. Il explique la situation de son oncle. Et son oncle dit, non, 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 c'est pas normal. Donc, l'oncle à mon père, a décidé de l'emmener voir une tradipraticienne.
Donc, c'est ça, ils arrivent chez la dame et mon père explique à la dame l'histoire. Donc, la dame, c'était une voyante et tout, je sais pas, quelque chose comme ça. Et la dame explique à mon père que non, la personne qui fait tout ça, c'est la propriétaire de la parcelle. Donc, elle explique à mon père que non, la dame a un serpent et ça fait que chaque nuit, la dame se transforme en serpent. Elle va dans les maisons des gens qui habitent là avec leurs enfants. Elle va envoûter les enfants. Donc, je ne sais pas, elle va, si c'est voler les chances et tout. Donc, comme les enfants sont assez sensibles, c'est pourquoi ça fait en sorte que les enfants, toute la nuit, pleurent. Et elle a expliqué, dans cette parcelle, il y avait un enfant. Cet enfant avait l'âge de marcher, mais cet enfant ne marchait pas. Donc, le serpent l'avait rendu handicapé. Donc, c'est ça. Et la dame a donné à mon père une poudre. Elle a dit à mon père, vas-y, prends cette poudre-là, mets-le devant la porte de la maison. Donc, avant d'aller vous coucher, prends cette poudre-là, mets devant l'entrée. Et demain, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, mon père a fait ce que la dame lui avait demandé et on a dormi. Et le lendemain matin, quand il se réveille, il voit la madame avec des lunettes noires. Tous les gens étaient étonnés le matin comme ça, tu portes des lunettes noires. Et là, elle d'habitude, elle venait saluer ses locataires. Mais là, non. Elle ne l'a pas fait. Et là, quand les gens sortent, ils lui demandent, mais maman, par exemple, maman Sophie, mais pourquoi tu mets des lunettes? Elle dit, oh non, c'est rien, c'est juste que j'ai mal aux yeux et tout, donc c'est rien. Mais un temps, à un moment donné, on voit ses yeux comme ça, ses yeux avaient enflé, c'était rouge, donc elle n'arrivait pas à bien voir. D'où elle avait mis les lunettes parce que la lumière lui faisait mal aux yeux. Les yeux avaient enflé et tout. C'est là que, quand mon père retourne chez la dame lui dit oui, cette poudre-là, elle était venue en serpent. Et ça fait que cette poudre-là l'a brûlé les yeux. Donc, ça l'a brûlé le visage, ça l'a brûlé les yeux. Et quand mon père s'est rendu compte de ça, le même jour, quand mon père a compris que cette dame-là voulait me détruire moi parce qu'elle avait vu, quand elle voit des enfants qui ont des étoiles, elle essaie d'aller voler ces étoiles-là. Donc, quand mon père s'est rendu compte que non, cette dame-là, c'était une sorcière. Donc, la dame lui a dit que non, elle est une sorcière et le serpent, c'est son totem. Donc, ce serpent-là va voler les étoiles des enfants, gaspille les enfants, donc comme l'enfant qui ne marchait pas. Donc c'est ce serpent-là qui fait en sorte que cet enfant ne marche pas. Et si on reste dans cette parcelle-là, elle risque de m'affecter aussi, de détruire ma vie. Donc le même jour, quand mon père est rentré à la maison, il a dit à ma mère, toi, aujourd'hui, tu ne dors pas ici avec l'enfant. Prends l'enfant, vous allez aller dormir chez une amie. Et ma mère m'a pris ça, aller dormir chez une amie. La même journée, mon père est allé avec son oncle faire des démarches. Il a trouvé une autre maison. Le lendemain, on avait déménagé. Et dès qu'on a déménagé, on n'avait plus aucun contact avec cette dame-là, ni avec sa parcelle. Et depuis ce jour-là, mon père m'a dit, dès qu'on a déménagé, j'étais redevenue normale, je dormais normalement, voilà. Donc c'est ça mon histoire. Donc ce qu'on peut tirer de cette histoire, c'est juste faire attention dans les maisons où on part vivre. Ce n'est pas tout le monde qui a une bonne âme, qui est une bonne personne. Et des fois, des gens vont remarquer une étoile dans la vie de vos enfants, vont remarquer une certaine grâce dans la vie de nos enfants, ils vont essayer de le voler. Puis dire aussi aux parents d'être attentifs. Heureusement, mon père a été attentif quand il avait vu
que voilà, rien n'allait. Il a décidé d'agir. Donc, les parents essayaient de faire attention. Comme vous voyez, il y a quelque chose qui cloche dans la vie de vos enfants. Essayez d'aller trouver des solutions. Si vous priez, priez. Si vous, je sais pas, allez trouver des solutions. Si mon père n'avait pas agi à temps, peut-être aujourd'hui, ma vie n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'était ça mon histoire. Waouh, vous avez entendu ça? C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la suite. C'est pas terminé. Abonnez-vous, likez, partagez.